C'est pas assez. Québec est déçu des 900 millions de dollars obtenus dans l'entente sur les transferts en santé conclue avec le gouvernement fédéral. Le bon mot, c'est on est déçu. Hein? On l'a dit au début, on était allé pour 6 milliards. Là, c'était un peu ridicule qu'on se chicanait pour avoir le milliard qu'on nous avait dit. Après plus d'un an de négociations, le gouvernement Legault se réjouit au moins de ne pas avoir de compte à rendre au fédéral. Ottawa voulait qu'on signe sur 3 ans avec indicateurs, cibles, reddition de compte, puis on a tenu notre bout. Puis finalement, c'est sans condition. Pour le gouvernement Trudeau, les données que Québec publie déjà sont suffisantes pour évaluer la performance et les résultats dans le système de santé. C'est pour moi et certainement pour ministre Dubé, c'est l'idée de s'assurer que les données est là et l'information est là pour les Québécois et les Québécoises de voir le progrès dans le système. Or, pour les oppositions à Québec, la victoire sur les conditions n'efface pas l'échec sur le montant. Hier, on a confirmé la claque au visage parce qu'en plus, le fédéral avait le culot pour ce milliard sur 6 de tenter d'empiéter davantage, de poser des conditions. Donc, non seulement on a un gouvernement qui n'est pas capable d'aller chercher l'argent, mais qui ensuite n'est pas capable non plus de donner des bons services de santé. Un résultat de 15 %, c'est carrément un échec. Ainsi, afin de réduire le manque à gagner dans le budget de la santé, Québec maintient vouloir se retirer des programmes fédéraux d'assurance médicaments et de soins dentaires afin d'empocher une compensation financière. Si l'argent que vous voulez mettre dans un soin dentaire qui est mal défini, dans une assurance médicaments qui est mal définie, on veut exercer notre droit de retrait. Cet argent-là, moi, ce que je vous ai dit plusieurs fois, je prends ça puis je viens combler les besoins qu'on a en santé. Une décision qui se justifie selon cette politologue. Le fédéral ne devrait pas s'immiscer de cette façon-là, surtout que ça nuit à des provinces comme le Québec qui ont déjà des programmes assez généreux. D'autant plus que la nature des besoins diffère d'une province à l'autre. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa.